sont peut-être déjà nés, ceux qui verront la mort effective du christianisme dans notre civilisation. La crise spirituelle que traverse notre culture, déclarait le pape Benoît XVI, est la plus grave depuis la chute de l'Empire romain. La décomposition de la famille naturelle, la perte des valeurs morales traditionnelles, la fragmentation des communautés. Ces évolutions nous ont troublés, mais nous avons cru qu'elles étaient réversibles, qu'elles n'étaient pas le signe d'une profonde erreur que nous commettrions vis-à-vis de la foi. On se disait que tout pourrait toujours s'arranger si l'on continuait à faire ce que les chrétiens font depuis des décennies, notamment voter pour un parti conservateur. Aujourd'hui, il est aisé de voir que nous avons perdu sur tous les fronts et que les flots incessants du sécularisme ont débordé nos fragiles barrières. Un nihilisme hostile a remporté la partie et la culture s'est puissamment retournée contre le christianisme traditionnel. Nous nous répétons que c'est là l'œuvre des élites de gauche parce que nous refusons de voir la terrible vérité en face. Rien ne s'est fait sans l'approbation active ou passive du peuple lui-même. On racontait volontiers que les chrétiens conservateurs menaient une guerre culturelle, mais, à part contre l'avortement et le mariage homosexuel, le combat était inexistant. Nous semblions nous satisfaire d'endosser le rôle de chapelain d'une culture acquise au consumérisme qui avait perdu toute notion de la réalité du christianisme. À de rares exceptions près, les militants chrétiens conservateurs sont aussi inefficaces que les Russes blancs en exil, avec leur thé et leur samovar, complotant dans les salons parisiens pour établir la monarchie. On leur souhaite bien du succès, mais on sait au fond que l'avenir n'est pas là. Le monde qui nous entoure trouve de plus en plus notre langage inaudible, voire offensant. La chute de Rome avait porté un rude coup au moral des citoyens de cette puissance auparavant invincible. Saint Benoît fut si bouleversé et dégoûté par le vice et la corruption de la Rome décadente qu'il refusa la vie privilégiée à quoi son statut de fils de dignitaire lui donnait droit. Il s'installa dans une forêt, puis dans une caverne. Grâce à Saint Benoît, un regain de spiritualité poussa de nombreux hommes et femmes à quitter le monde pour se consacrer entièrement à Dieu, selon la règle. Derrière les murs des monastères, on entretint la foi et l'enseignement. Et de là, on évangélisa les peuplades barbares, on leur apprit à prier, à lire, à semer et récolter. On leur apprit à bâtir. Dans les siècles qui suivirent, c'est là que l'on prépara les sociétés ravagées de l'après-empire à la renaissance de la civilisation. L'exemple de Saint Benoît montre ce qu'un petit groupe de croyants qui répondent avec créativité aux défis de leur temps peut accomplir en incarnant sa foi dans un mode de vie distinct. Les chrétiens conservateurs sérieux ne peuvent plus mener une existence légère, ordinaire. Il faut développer des solutions innovantes, collectives, pour nous aider à maintenir notre foi et nos convictions au milieu d'un monde qui est de plus en plus hostile. Il faut choisir avec radicalité un christianisme de contre-culture, un nouveau mode de vie, sous peine de condamner nos enfants à l'assimilation. Il va nous falloir radicalement changer nos vies, notre vision du monde. En un mot, il va nous falloir être l'Église sans compromis, quel qu'en soit le coût. Le pape émérite Benoît XVI prédit un monde dans lequel l'Église vivra en petits cercles, composés de chrétiens engagés, dévoués à leur foi et se tenant à l'écart de la société contemporaine. Nous ne pouvons donner au monde ce que nous n'avons pas. Le pari bénédictin est un appel à un renouveau de la politique chrétienne,
une politique issue de notre relative impuissance dans la société contemporaine. Faire de la politique à la façon bénédictine commence par reconnaître que la société occidentale est post-chrétienne et que, sauf miracle, il est improbable que cette donnée soit renversée avant longtemps. Élargissons notre vision politique, de manière à y inclure la culture. Nous nous rendons compte alors que les possibilités d'action et de service sont presque infinies. C'est par la peur que l'idéologie officielle se maintient au pouvoir. Toute action qui contredit l'idéologie officielle est une négation de tout le système. Le pari bénédictin est une forme de sécession, un retrait permettant de renouer avec l'essentiel et l'intemporel pour refonder la civilisation future.